就是一个民族如果没有代表自己民族的文化符号，就不能立足于世界民族之林。因为古人讲啊，父母横斜千万朵，赏心只有三两只，就说艺术创作要升华要取舍，既要有传统的传承，又要有笔墨当随时代的创新。中国人也在努力的扬为中用，学他的技法来表现中国人的感情，讲中国故事。我画的苏翊鸣嘛，画的他就是夺金的时刻，我还画了谷爱凌凌空一跃嘛。你要从历史的长河里边去确定的话，你就会有信心。我认识到中国的艺术，你必须得按中国的来。Chen Jialing est connu dans les milieux artistiques chinois pour son désir de changement. Sur les fondations de la peinture à l'encre traditionnelle chinoise, il s'est efforcé d'innover et a essayé de briser les frontières entre les catégories telles que les portraits et les paysages, les fleurs et les oiseaux. Aujourd'hui, cet artiste chevronné utilise toujours son pinceau pour dépeindre les magnifiques paysages naturels de son pays natal, tout en partageant des histoires chinoises avec le monde entier.实际上可以这么说，我的青春是从70岁之后才爆发。为什么这么说呢？因为中国绘画它要接电的，70岁之前它还是一个后接的过程。要70岁之后爆发了，好像人刚刚醒来一样，你成熟了，那么就你的作品啊，各方面啊，达到一定的这个水平，再积累你就会炉火纯青，你才会更加的有创造力，更加的有一种品味出来。Chen Jialing est né et a grandi dans une famille pauvre, mais il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir un artiste accompli. En 1937, sa mère lui a donné naissance alors qu'elle tentait d'échapper à la guerre. Vivant dans cette époque tumultueuse, elle dessinait toujours divers animaux pour lui remonter le moral. Cela lui a donné un amour profond pour l'art. Lorsqu'il a terminé l'école primaire à l'âge de 11 ans, son père est mort et sa mère devait donc s'occuper toute seule de lui et de ses trois jeunes frères et sœurs. Chen Jialing a choisi d'abandonner l'école et est devenu apprenti coiffeur. Son destin a changé en 1949 lorsque la République populaire de Chine a été fondée. 我发生什么变化，是我这个归道的转移。国家有一个政策，你家庭困难去念书可以有助学金的补助，我就匆匆忙忙复习了，我已经看了两年了，复习好了之后那去考。那么考什么学校比较好呢？因为我喜欢这个画画，我就想考杭业中。美术老师是谁啊？你们可能知道，叫李叔同。这个学校的培养出来的著名学生谁啊？潘天寿。你看，这样的一个名校、名人荟萃的地方，就是我向往的
一个学校，从此陈嘉玲的轨道改变了，从学徒转到学场。En 1958, Chen Jialin a été admis à la faculté de peinture chinoise de l'Académie des arts de Chine dans le Zhejiang. Il a étudié sous la direction de Pan Tianshou, un grand maître de la peinture chinoise moderne et un éducateur artistique exceptionnel. Après avoir obtenu son diplôme en 1963, Chen Jialin s'est rendu à Shanghai pour enseigner à l'Académie privée des beaux-arts. Dans les années 1970, Chen Jialin a étudié à Shanghai avec Lu Yanshao, un grand maître de la peinture chinoise contemporaine. Il a étudié la peinture de paysages, la calligraphie et la peinture des fleurs et des oiseaux, ce qui lui a donné de solides bases pour la peinture chinoise. En regardant en arrière, ces trois professeurs dont parle Chen Jialin ont joué un rôle déterminant dans sa carrière.我们不妨通过三幅作品来看一看，在那个阶段前后，咱们陈老师画风的一些变化。来看三幅作品。第一幅呢是1974年您画的爱妻阿娟，第二幅呢是1978年画的鲁迅先生像。我第一幅爱妻这幅画，看我那个线条还是带有工笔线条，但是你看我这个鲁迅肖像画线条就是山水画线条，就很潇洒，很自由，很奔放，这种技艺就从陆延绍先生那里学来的。第三幅呢是2004年画的爱妻阿娟，阿娟真幸福啊，在艺术家的笔下永远是那么的青春貌美风华正茂。她是多辛苦啊，她为我的艺术的发展默默无闻啊，他牺牲了自己啊，这成就了我啊，情不自禁的对我的贤妻良母一个致敬。Depuis les années 1980, Chen Jialin est devenu célèbre pour avoir brisé les restrictions des techniques traditionnelles pour peindre le lotus. L'une de ses œuvres sur le thème du lotus a été sélectionnée pour la 6e exposition nationale d'art en Chine. Cela a été une percée dans sa carrière. Avec la fleur comme marque, Chen Jialin a créé un style de peinture chinoise moderne, combinant l'impressionnisme, l'abstraction et l'expressionnisme. Il a abandonné l'utilisation standard du pinceau et de l'encre et a exploré l'effet magique de l'interaction entre le papier, l'eau, le pinceau et la couleur.
Cela a fait naître son nouveau style d'encre, l'encre légère. Chen Jialing a également fait beaucoup de recherches sur le papier et a finalement choisi le papier Xuan, un papier fait de paille de riz, de haute qualité mais délicat. Après un traitement spécial, la sensibilité et la perméabilité du papier Xuan sont arrivées à un niveau très élevé. L'artiste peut donc appliquer librement l'encre légère sur une plus grande surface et présenter une humidité naturelle ainsi que des couches riches dans l'encre. En 2007, Chen Jialing a organisé sa première exposition personnelle à l'âge de 70 ans. Depuis lors, il organise une exposition presque chaque année. 我特别好奇想知道啊，为什么70岁之后您能保持每年一个大型主题展？这是相当需要精力的。为什么会有这么旺盛的创作力呢？时代在前进了，美景越来越多了，就是鼓励了画家要去创作。为什么呢？因为我们中国美的地方太多了，可爱的地方太多了，只要我是有生之年，我就要不断的。 Lors du sommet du G20 de Hangzhou en 2016, l'œuvre à grande échelle de Chen Jialing, le paysage du lac de l'Ouest, est devenue la peinture de fond pour la photo du groupe des dirigeants du monde. Grâce à cette œuvre mesurant 5 mètres sur 2, les gens du monde entier peuvent apprécier la beauté de la peinture moderne à l'encre chinoise. Hangzhou, c'est 上有天堂, 下有苏杭, 体现了中华文化的山川美, 历史美，再加上这次G20峰会的当代之美，我觉得我这个画就是按照这样的思路把这个风景就是画出来，把水墨变成色彩，一点一点层层加上去。那既不是传统，但是显现出来是有色彩的，那就是现代的。 其实，在画西湖景色之前，您已经画过西湖十景了。对对对，对西湖有这么深的感情哈。因为年纪大了嘛，随着年龄的增大，对故乡啊越来越眷恋。Après l'âge de 70 ans, Chen Jialing a non seulement continué à peindre, mais a également étendu de manière créative la beauté de la peinture à l'encre chinoise à d'autres domaines artistiques, tels que le mobilier, la porcelaine, la soie et le cinéma. À Jingdezhen, Chen Jialing a coopéré avec des artistes céramistes et a fabriqué 40 grandes cuves. Chaque cuve est assez grande pour y mettre 4 personnes. De telles œuvres représentaient un grand défi pour Chen Jialing, qui a plus de 80 ans, tant sur le plan physique que mental. Chen Jialing a peint 40 cuves à la recherche de l'effet de la transformation du four. Il y a de grandes incertitudes dans le four, ce qui rend la création encore plus difficile. 材料给你带来的意想不到的效果，那么这个就是偶然性跟必然性制造的美学区别。 Le biopic Chen Jialing a été achevé en 2014. Il a fallu 3 ans pour filmer la tournée de croquis de Chen Jialing à travers le pays et le processus créatif de sa grande série d'œuvres paysagères. En 2013, il a visité la montagne Jinggang, une région connue comme étant le berceau de la révolution chinoise. Et il a interprété de manière élégante ses vues spectaculaires pour rendre hommage et créer des œuvres artistiques pour la postérité. Ce Jinggang-san, son
井冈山的主峰来画的，因为井冈山主峰啊最雄伟最有气势，尤其是在中午12点钟的时候啊，阳光照在这个树上啊，月月苍苍，那是俊丽无比啊。嗯，那么我用的仲裁呢是我自己的创造，我把这个山川啊用黑墨打底，我这个仲裁就是用湖蓝加淡绿给它弄出来的颜色，由于这个一层层加上去呢，这个色彩啊就非常厚重，就非常绚丽，同时呢它就很透明很亮，变得有这个光感了。你看这一幅西北坡，我是非常得意之作。西北坡啊，我们一到这个地方就被它这个郁郁葱葱的树木所吸引，同样我也是打木的底，然后再画这种光感，这种霞光描写出来，再加上这个水啊杜少卿啊、嗯、所以这幅画是我得意之作。这幅画呢是梁家河，这个地方很漂亮啊，对吧？为什么就是黄土高原的特点，你看它都是跟城墙一样的，这个一层一层上面是平的，它没有什么轮廓线的，这个是黄土高原的特点。那个时候我们到梁家河去的，山上还有杜鹃花，但是这个杜鹃花呢它是东一堆西一堆的，就是我画的时候把杜鹃花给它好像园林布置一样。哎呦，真感谢您的分享，因为要不是您说，我们可能光是看画还真不知道这画背后还有那么多创作的故事。所以说画家呀艺术家，他不仅有发现美的双眼，还得有创造美的灵魂，对不对？我们把掌声送给陈老。我们这一代人呢经过了苦难的洗礼，经历了改革开放，沐浴着伟大复兴的曙光，如此的生命体验是时间的恩赐，更是时代的恩赐。我们是美术工作者，对美的追求，对美的表达，就是家国情怀的表达。我的几十年也是中国变革的几十年，我们要为国家的兴旺而骄傲，这些美的变化也为艺术家创作带来了激情灵感和动力。我画三山五岳四圣地，我用了3个月时间去写生创作，我从上海去衡山，坐个飞机坐个高铁几小时就到了。如果在古代，我们设想即使骑毛驴到衡山最少也得几个月吧，因为他们路途遥远，交通受限制，所以限制了他们这个艺术创作的广度与时间。也就是说，国家的进步，交通的便利，为我的创作提供了条件。我是画家，我一定要通过画笔展现出来。过去生活不稳定，吃不饱饭，如何搞艺术？正是因为我们这个小家发生了变化，小家物质生活提高了，才有这种基础跟力量
来帮助你去创作。我们要感恩时代，歌颂时代，享受时代，自然而然的我们要珍惜时代。这样我想我们每个艺术家为此而努力，为此而创作，这种合力的努力，我认为就是国家文化走向世界做出新贡献的家国情怀的一种举措。谢谢大家。